Bon. Vous allez vous dire que à chaque fois que je fais un vlog, je suis à parenthèse. Et globalement, vous avez raison. Et c'est marrant parce que j'ai vu le retour. On a l'impression que je suis sur un fond vert. Mais je suis pas sur un fond vert. Hein. C'est la vraie forêt derrière moi. Donc, pourquoi je suis là? Je ne suis pas là pour le chill, cette fois-ci. Je ne suis pas là non plus pour créer de toutes pièces un atelier d'artiste. Non, non, cette fois-ci, je suis là pour mener une retraite créative. Alors, qu'est-ce que c'est une retraite créative? Eh bien, c'est 5 jours dans la forêt avec des participants, des participantes et un ou une artiste qui mène cette retraite créative sur une thématique précise en rapport avec l'artiste, bien évidemment. Il y a eu des retraites créatives sur le journal intime, il y a eu des retraites créatives sur l'herbier, la photo, le tricot, tout ça. Et moi, la retraite créative que je mène, c'est sur l'encre. Donc voilà, les participantes sont en train d'arriver, sont en train de prendre position de leur tiny house. Le but, c'est d'y aller chill, quoi. On n'est pas sur le rythme de vie urbain, etc. Je n'ai jamais donné de cours, entre guillemets, ou dirigé ce genre de choses avant. Ça va être une grande première. Mais je suis bien préparée et j'ai prévu plein de choses. J'espère qu'ils vont leur plaire. J'ai fait ma bonne Hermione Granger, hein. J'ai écrit mes cours. Vaut mieux avoir trop de matière que pas assez. À 16h, je pense qu'on va se retrouver tous là-bas à la serre, que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, en attendant, je pense que je vais me faire une petite sieste, ou juste attendre là et écouter les oiseaux. Non, la sieste, c'est pas mal, la sieste. Bon, première journée terminée, c'était vraiment chouette, c'est passé à une vitesse. Ce matin j'ai fait plutôt un cours théorique sur bien connaître son matériel, tout ça, parce que je trouve que c'est très important de bien connaître son matériel quand on fait des arts graphiques ou plastiques, tout simplement. Ça permet de parader pas mal d'erreurs qui souvent tu te dis mais merde, qu'est-ce que j'ai merdé, alors qu'en fait, c'est le support qui a merdé, tout simplement. On a enchaîné avec des exercices de lâcher prise, des exercices de la forme, tout ça. C'est des choses que j'aime bien faire, qui permet de sortir de sa zone de confort, de ce qu'on a l'habitude de dessiner, parce que là, il faut rentrer un dessin dans cette forme, coûte que coûte. Donc c'est chouette. 8 filles avec des caractères différents et tout, des sensibilités différentes, et c'est hyper agréable parce qu'elles sont toutes hyper investies, hyper intéressées. C'est vraiment un bonheur, et en même temps, j'ai envie de leur condenser tout mon savoir, genre leur faire rentrer tout mon savoir, et je suis en mode genre moi au final je me fatigue, et elles en face elles sont en mode genre waouh, ça fait beaucoup d'informations à rentrer, et je me rends compte qu'il faut aussi retenir un peu pour distiller l'information au bon moment, au lieu de juste les abreuver de paroles comme ça. Je pense que c'est une gymnastique à faire, et au final j'apprends aussi là à distiller mon savoir en one to one et pas à travers un écran qui permet par exemple avec la magie du montage d'enlever les phrases en trop, voilà, faire des coupes et tout. Non, là il faut synthétiser directement et réfléchir ce que tu as envie de leur transmettre, tout simplement.
suis endormie avec les cheveux mouillés. Et là, je me vois dans le reflet de la vitre. Et Miski, la sorcière de la forêt, bah, c'est une artiste qui est allée dans la forêt, qui n'est jamais revenue. Il fait tellement beau et chaud que j'ai des participantes qui se sont cramées comme des petits rôtis. Donc elles sont allées s'étaler de la biafine les unes des autres dans les tiny de chacune. Ça pardonne pas, hein. Les premiers rayons du soleil ils pardonnent pas à chaque fois. On s'est fait avoir, enfin moi ça va, j'ai pas eu trop de coups de soleil notamment parce que j'ai prévu la crème solaire. La dite crème solaire. Protégez vos tatouages. Faites attention. Bon, le reste, je vais le faire hors caméra parce que sinon, je vais me faire ban de YouTube. Bon, là, les filles sont parties faire une activité. En fait, chaque après-midi, il y a une activité qui est proposée. Alors, ça peut être jardinage, aller nourrir les brebis, voilà. Et là, elles sont parties voir les chantiers d'autoconstruction. Parce que, parenthèse, maintenant, autoconstruit ces tiny house avec Magic Manuel, que vous connaissez si vous avez vu ma vidéo sur le chalet des artistes. Et donc, ouais, c'est super intéressant et tout, mais bon, moi, je les ai pas accompagnées. Alors que ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai un petit truc à faire, que j'ai proposé à Samantha de le faire, c'est que je vais pyrograver une phrase pour une tiny house. Voilà. Parce qu'au début, elle m'a demandé, elle m'a dit « Ouais, t'as une jolie écriture, toi, non ?» J'ai fait « Ouais, ça va. » Et donc, elle m'explique que, en fait, dans les tiny house, sur les tiny house des écrivains et écrivaines, le texte, il est écrit directement sur le mur. Sauf que là, bah, le problème, c'est que le mur, il est en lambris. Ils peuvent pas pyrographer directement sur le lambris, sinon ça va être super moche. Donc là, moi, je lui ai proposé de pyrographer la phrase sur une planche de contreplaqué. Donc je vais faire ça, sachant que je n'ai pas tenu un pyrograveur depuis que j'ai 13 ans. Voilà. Bon, alors je viens de rentrer, il est 21h30 et il faut que je me fasse à manger. En fait on a papoté, puis on a absolument pas vu l'heure tourner. Je pense que je vais faire la même chose qu'hier. C'était très bon. Aujourd'hui, nouveau jour, nouveau cours, voilà. C'est vrai que c'est très court, par exemple, de faire juste une journée background qui nécessiterait, je pense, au moins 4 ou 5 retraites créatives, voilà. Sauf que là, bon, bah forcément, j'essaye de passer en revue le plus possible pour qu'elles aient des bases, pour qu'elles puissent après les exploiter, elles, plus tard, toutes seules. Mais je suis en train de me dire, elles sont déjà en train d'arriver, je vais commencer à être déjà en retard. Parce que je les vois de là où je suis. Aujourd'hui, c'est l'humain. Voilà. Alors, c'est marrant parce que
plusieurs m'ont dit « Ah, le personnage !» J'ai fait « Non, non, pas le personnage, l'humain. » C'est pas la même chose. L'humain est la base du personnage, mais le personnage, c'est une version synthétisée de l'humain. Voilà. Donc, avant de dessiner des personnages, il faut savoir dessiner l'humain. Voilà, tout simplement. La dernière journée. Là aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a bossé l'humain. Et c'était vraiment chouette, c'était vraiment cool. Donc le matin, j'avais le cours théorique où je leur ai appris à faire des pantins, tout ça et tout, à monter un pantin rapidement. Et en fait, je sentais que pour certaines, c'était un peu compliqué. Trop de données à gérer d'un coup. Et tout le monde n'a pas les mêmes mécaniques de cerveau. Je fondais plus d'espoir sur ces participantes-là pour la partie de l'après-midi où je reprenais la technique de la forme qu'on avait fait au tout début du séjour où en fait je leur fais travailler la forme globale de l'humain, en fait, de la personne qui pose et après les détails. Et je sens que chez certaines, il y a eu peut-être quelques déclics. Et ça, c'est trop cool. C'est hyper cool pour elle et c'est aussi hyper gratifiant pour moi. Ça veut dire que cette méthode a marché. Ce soir, on est allé manger au restaurant qu'il y a à côté, aux rives du bois. Vous voyez ça? À la rive du bois. J'ai oublié de faire un plan. Imaginez un restaurant avec des plats bons. Voilà, tout simplement. Et après, le soir, on est allé se faire un petit brasero. Donc, vous n'avez pas l'odeur. Mais imaginez que je suis un petit jambonneau, quoi, fumé, tout simplement. Bon, allez, sur ces conneries, il est quand même 1h du mat, j'ai une douche à prendre et je vais me pioter parce que demain, retour à 9h. Rentrer chez moi. Ça doit être quoi ce cadrage? C'est de pire en pire les cadrages là-dessus. Pff, regardez.
Je pars 5 jours. 5 jours. En fait, si je vous ai posé là, c'est parce que j'ai la flemme d'aller chercher le pied qui est au fond de mon sac. Donc, ne vous fiez pas à cette mine exténuée parce que, en fait, là, le trajet souvent plein cagnard du RER jusqu'à chez moi m'a assassinée, mais c'était. Cette mine-là n'est pas du tout à l'image de la semaine que je viens de passer qui était juste géniale, notamment grâce aux participantes. Voilà. Les filles m'ont beaucoup dit merci, mais moi je dis surtout merci à elles parce que peut-être que je leur ai manifestement apporté pas mal de choses, mais elles m'ont aussi apporté beaucoup, notamment dans ma manière de vulgariser, d'expliquer, etc. J'ai déjà dit, c'est la première fois que je fais ça. Et vraiment, en fait, on est là en face de toi, t'as quelqu'un qui, s'il a pas compris, il dit juste j'ai pas compris. Et il faut que tu trouves une nouvelle manière de lui expliquer sans répéter exactement la même chose que tu viens de dire. Voilà, ça sert à rien de répéter plusieurs fois la même chose en plus fort, hein, en criant plus fort. Ça, c'était la méthode de mon père. Quand je comprenais pas un truc, il me répétait la chose, mais en criant. Les filles se sont toutes bien entendues ensemble. Moi, je me suis très bien entendue avec elles. C'était vraiment chouette. Et puis le cadre, hein, toujours un cadre génial pour ce type, enfin, qui se prête hyper bien à ce type de retraite, qui est quand même assez inédit parce que j'ai déjà vu des workshops, mais j'ai jamais vu des retraites avec le cadre et avec un artiste et voilà, enfin, tout cet ensemble là. Et ce qui est bien aussi avec ce côté ultra réduit où je peux faire vraiment du conseil personnalisé et passer du temps avec chaque participante sans que ce soit la chaîne, etc. Voilà, 8 participants, je pense que c'est vraiment le max pour une retraite créative, sinon c'est trop et on n'a pas assez de temps. Merci encore à Samantha et à Antoine d'avoir créé ces retraites créatives et voilà, et qui sont vraiment dans un cadre enchanteur en plus. Je vous conseille d'aller, à parenthèse, pas forcément pour des retraites créatives, mais aussi pour juste le kiff, tout simplement. Là, je suis bien vannée et mon mec est là, à parté, vient de me dire que ce soir c'était la fête des voisins. Et je suis fatiguée. Là, même si je suis du genre extravertie à gagner de l'énergie quand j'ai des relations sociales, j'ai de l'énergie de sociabilité, mais j'ai plus d'énergie physique. Alors la question qui va certainement être posée et à laquelle je vais répondre tout de suite, oui, il est prévu que je fasse une autre retraite créative sur la même thématique, qui est Apprivoiser l'encre, mais ça sera dans un an, donc elle n'est pas encore annoncée ni rien. Si vous voulez être au courant et savoir quand est-ce qu'elle sera mise en ligne et tout, suivez parenthèse et suivez-moi sur Instagram, tout simplement. Sachez juste que ça part très vite. Bref, je vais aller dormir une heure avant d'aller à la fête des voisins. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !